été fait pendant les vacances, hein. Ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, mais... Elle est très très bien. Porte-maillot, on est en train d'aller vers la porte de porte de... On m'a dit du bien de toi, on m'a dit que t'avais dit du bien de moi en Côte d'Auteuil, pour prendre l'autoroute après. Les nouvelles vont vite, hein. Ouais, c'est mon cousin, en fait, qui a fait un cousin qui a fait ton interview, ça t'a dit bien. Ah ouais. Ok, d'accord, bah on arrive. Il m'a posé une question sur toi. Soumia, quelque chose à dire pour tes fans. Ah, c'est micro que. Ben, là, on est au Cap Ouest et je m'apprête à entrer dans cette boîte pour faire un show explosif. Ok. Eh, tu vois le truc que j'ai dit là ? Tu as l'autre micro là-bas. Vous êtes les organisateurs du spectacle ? Oui, on se voit toujours en l'air. Tu te rappelles jamais de nous, c'est pas bon ici. Alain et Jonathan, c'est important. Applaudissez pour eux, parce qu'ils sont du fond de mon point de vue. Voilà, ça pousse, ça pousse. Bon, il y a une artiste qui va venir. Est-ce que vous connaissez Soumia ? Est-ce que vous connaissez Soumia ? Dans la case du votre point, vous entendez. Est-ce que vous connaissez Soumia ? Thank you.
Bon. Aïe, aïe. Alors, Soumia, c'est chaud? Fantastique. Fantastique, t'as adoré? J'ai adoré l'ambiance. Ouais. Voilà, public normal, super sympa. Moi, je me suis bien amusé, toi? Écoute, il y avait des mecs moches. Ah oui, mais bon, ça, c'est normal. Hein. Toi, t'aimes que quand il y a plein de filles. Bah, moi, j'aime bien quand il y a plein de garçons. Moches? Oh, c'est pas grave, tu sais, la beauté est intérieure. Hein. C'est vrai. Il paraît. Il y a des mecs beaux qui sont super cons, et puis des mecs moches qui sont super sympas. Il y a des mecs mignons qui sont intelligents. Ouais, mais bon, ça c'est un petit peu plus rare quand même. Hein. Moi, tu me trouves pas mignon et intelligent? Ah non, toi t'es moche et intelligent. Connasse. On n'a même pas dit au revoir aux organisateurs tellement on était, comment dirais-je. Oui, bah en fait, on a dû partir un peu près. Parce que l'ambiance était un petit peu trop chaude à la fin. Donc, t'avais quelques fans. Un petit peu quelques trop... fans qui sortaient de prison. Voilà. Bah, merci. Merci beaucoup, Keisha. Je pense qu'ils ne sortaient pas du tout de prison. D'ailleurs, ils étaient accompagnés. Mais tu veux tuer le succès. Le gars m'a dit oh, c'est ça. Oh, tu l'accompagnes. Oh, ouais, excuse-moi, Renaud, fallait le dire, c'est pas la peine de me faire des regards des tigres, des regards méchants. Ah ouais, non, bah non, oui, c'est... Il n'y a pas de problème, Renaud. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est l'ambiance du ghetto, je connais bien, hein, moi-même. Écoute, ah oui, la c'est clair. C'est cool, hein, moi, ça me fait plaisir de venir dans ce genre, voilà. En tout cas, je me suis bien amusée. Non, ouais, c'était cool, hein, le show. Ouais, ouais, j'ai bien aimé. Les filles étaient présentes, les garçons aussi. C'est à refaire, quoi. Pas de soucis. Dès demain, hein. Quand tu veux, dans l'heure qui suit, mais... Quel démagogue. Justement, on est en route, si tu reviens dessus. Justement, voilà. On est en route pour l'Astros. Pour l'Astros, voir un petit on peu va rejoindre Elie. Que ça va pour lui. Voilà.